les bienvenus. On n'a pas le temps, faut partir. Il faut partir. Ils ont toujours peur. Certains ont peur en fait. D'autres non. Bon, on a toujours le sac. Yes, ok. Donc il s'est passé un épisode de farm entre temps. J'ai dû rentrer du coup. On est fatigué ou pas? Ça devrait aller. J'ai dû donc rentrer au lac Mystère pour aller bien sûr réparer tout mon équipement. Car on a fait un peu le tour et tout ça. Et pas d'oiseaux, pas de lapins. Je suspecte qu'on n'a pas eu de chance pour les lapins, honnêtement. Je suis quasiment certain qu'il y a des lapins normalement ici. Mais on n'a juste pas eu de chance. Mais en tout cas, pas d'oiseaux, pas de plumes pour faire des flèches. Les loups gris en fait ne laissent pas de plumes, apparemment. Et bien sûr, comme je disais, pas de lapins du tout. On a très peu aussi de boyaux. Donc voilà, des gros problèmes en fait de ressources ici. Je suspecte, hein, comme j'avais dit la dernière fois, je suspecte que c'est un peu lié à des bugs, honnêtement. Surtout les oiseaux et tout. Mais bon, il n'y a pas vraiment moyen de prouver. En tout cas, par exemple, pour les plumes, on sait que c'est du bug, hein, complet. Donc je suis allé récupérer quelques flèches aussi. On en a 13, non 12 en tout. J'ai aussi, alors, tué l'élan. Alors, je vais être honnête, l'élan, c'était un peu par hasard. Je suis passé à côté, j'ai tiré 2 flèches, le truc est mort. Ça fait plusieurs fois que je tue élan ou quoi que ce soit. Oh, regardez, on voit la tour de là. Je tue élan et ours en fait en 2 flèches. C'est un peu étrange. Je pense que c'est plus de la chance qu'autre chose, mais c'est à noter. Donc, faudra voir si ça continue à faire ça. Mais voilà. Voilà. Donc, si vous voulez aller voir le moment où je retourne en fait au lac Mystère, ça dure à peu près 1h30. Donc, c'est un petit épisode de farm et discussion. Qui est sorti juste avant cet épisode-là. Donc voilà. C'était pas vraiment très intéressant, encore une fois, il s'est rien passé de très spécial. Donc c'est pour ça que je préfère qu'on garde ça dans la farm et la discussion. Donc nous, on est là pour ça. Alors, je vais voir. Ok, on n'est pas très loin. Donc l'élan est là. Voilà. Je lui ai mis 2 flèches, le machin, il est mort direct. J'ai pris quelques morceaux de viande aussi. Donc on a pas mal de nourriture au camp. Donc ça c'est cool. J'ai pu ramener aussi quelques petits objets en fait. Est-ce que je peux passer ou pas? Attends, parce que là, ça va être chaud. Ok, c'est bon, ça casse pas. J'ai pu ramener quelques objets au lac Mystère du coup au camp. Genre pas mal de nourriture et tout. Donc ça fera un peu moins à récupérer, enfin à ramener on va dire. On a quand même 2 batteries à ramener. Delta gelé, nouveau lieu découvert, ça marche. Donc voilà, je suis assez content de moi. Après le retour du lac Mystère à ici, je l'ai pas fait en vidéo, c'était pas vraiment très très intéressant honnêtement. C'était juste prendre 2 cordes et en plus c'est allé très rapidement parce que vous savez que pour partir d'ici il faut prendre 2 cordes, enfin si vous passez par là en tout cas. Il faut prendre 2 cordes, il faut les monter en fait, les unes après les autres. Ça c'est très très embêtant, j'avoue, très très agaçant. C'est très difficile en fait par rapport à l'endurance en fait. Est-ce que je peux passer par là ou pas? On devrait changer pour nos crampons, parce que de toute façon on a froid. Vas-y, cours. Bon, ça doit être par là. Ouais, ça doit être contre la paroi, hein, comme on avait dit. Hein, quand on était en haut, on avait plus ou moins situé l'emplacement du bunker là. Donc, ouais, on a bon. Je pense qu'on a bon. J'espère qu'on va y arriver avant que le rambo s'arrête. Bien sûr, on a du vent qui souffle dans notre direction. C'est très embêtant. On va passer comme ça. Ouais non, le vent est... Il reste pas beaucoup de nuit en fait, donc faudrait se bouger les fesses. Si jamais on perd le signal, je vais être honnêtement très déçu. En plus on doit être genre à 2 pas.
Oh mon dieu. Là, il y a de la neige. Ok, go. Oh putain, avec cette endurance et ce vent. Qu'est-ce que ça m'énerve, ce vent. Je suis désolé, mais ça, c'est... je crois que c'est le truc qui m'agace le plus au monde dans le jeu. C'est le vent. Le vent qui te ralentit. C'est déjà assez lent comme ça. Le vent qui te ralentit, c'est une catastrophe. On va passer comme ça. Ça doit être derrière ça, là. Vous voyez ça? Ça doit être derrière. Je crois que c'est ce qu'il y a de pire au monde dans le jeu. Le pire, c'est le vent qui souffle. Il va tout le temps souffler en plus dans votre direction, c'est ouf, quoi. Je suis sûr qu'il y a un code pour calculer ça, genre la votre direction et tout ça. Ok, on va monter. Normalement ça doit être quoi, un gros tas de neige. Ça, non. Ok. C'est là. C'est là. Yes. Let's go. Oh, on a pris cher hein, en vie, mais c'est pas grave. Alors, j'ai pas ma lampe sur moi parce qu'elle est trop... Elle est évidemment trop lourde. Vu qu'on a plein de cordes à prendre, je vais pas me... emballer avec un kilo de plus. Hein. Je suis désolé. J'aurais bien voulu faire la lampe. Honnêtement, la lampe, c'est cool. C'est bien dans l'ambiance, mais... Un kilo, non. C'est un peu trop un kilo. Par contre, on a ça. Donc, ça va. C'était quoi, Bunker Alpha, c'est ça qu'ils ont dit? Très bien. Okay. Non. Okay. On va faire le tour. Si jamais on voit un truc écrit, on va pas le prendre maintenant. On va d'abord faire le tour. Parce que je voudrais faire le tour avec la lampe allumée. J'espère qu'on va trouver des objets, surtout pour la cuisine, évidemment, c'est vraiment la cuisine qui m'intéresse au final, maintenant. Enfin, quoi que, à la limite, ce qu'on pourrait avoir aussi, c'est par exemple des barres rouges. Vous savez ça? Les sous-vêtements thermiques là, les rouges, ça serait vraiment, vraiment... Oui, bon, ça va, attends. Que je sais que je suis directement parti, j'ai pas bu. Voilà. J'aurais dû même prendre un peu plus de nourriture, mais normalement on est bon, calories. Ah ouais, on a de l'eau. J'ai pris ça aussi. Donc c'est x3. Alors ça c'est pas à base de viande, donc ça sent pas, donc ça va. C'est cool. Et ça nous permet en fait de nous remettre un peu de l'endurance. Donc ça c'est plutôt cool, c'est genre à peu près 15% d'endurance je crois. Donc si jamais on a un problème pour prendre une corde, bah, on peut se goinfrer de ça. Vraiment pratique. Et c'est pas très lourd au final. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en prendre un peu sur moi. J'ai repris 3 tourtes aussi. Bon par contre c'est des tourtes au gibier, donc faut faire gaffe. Ça veut dire qu'on a un emplacement de viande qui est déjà pris. Donc si on en prend, on prend 2 steaks, on va puer la viande. Mais ça aussi c'est vrai que c'est pratique de pouvoir transporter maximum. J'ai pas pris les pommes de terre là. Ça j'ai pas pris sur moi. Mais c'est vrai que les pommes de terre seraient honnêtement les plus intéressants à trimballer. Ok, de l'eau, table. Donc en théorie on est peut-être à la fin, mais après on est que à genre à 60 et quelques pourcents. Donc ça m'étonnerait que ça soit vraiment la fin. Maïs en boîte, ouais bof. Maïs en boîte, je crois qu'il y a une recette pour le maïs en boîte. Je crois bien qu'il y a une recette. Oups. Ah, ça c'est de l'eau potable. Nickel. Fais voir la recette. J'aime bien montrer en temps réel. Donc le maïs. Je suis sûr que le maïs il est utilisé quelque part. Je suis sûr qu'on l'avait vu. Tracker. Ça c'est ça peut-être. Non.
Ah là. Ouais. Bah, honnêtement, c'est le truc qu'on fera jamais, hein. Non, c'est le truc qu'on fera jamais. Ça demande trop d'ingrédients, en fait. Super intéressant. 4 carottes. Alors déjà, faut les trouver, les carottes. Parce que moi, j'en ai trouvé que 2, hein, pour le moment. Boîte en maïs, j'en ai quelques-unes. Donc ça, c'est bon. Mais 2 pommes de terre, non. Reishi, bon, ça va. Bouillon, ça aussi. Bouillon, c'est chiant. Parce que le bouillon, c'est quand même vachement bien. Surtout qu'il est, il est toujours buggé. Hein. Au moment où je fais cette vidéo, il est toujours buggé. Si vous connaissez pas le bug du bouillon. Quand vous êtes cuisine niveau 5... Alors, je crois bien que ça marche que avec cuisine niveau 5. Donc ça augmente en fait les calories bien sûr que vous faites. Genre 25% de calories en plus. Et à chaque fois que vous faites des bouillons, si vous gardez les bouillons que vous avez fait dans votre inventaire, à chaque fois que vous allez faire des nouveaux, vous allez les ramasser et à chaque fois ça va augmenter. Et du coup ça va donner à tous vos bouillons plus de calories. C'est complètement débile, il n'y a pas de limite apparemment, c'est toujours 25% en plus à chaque fois que vous en faites. Donc voilà, ça a toujours pas été corrigé pour le moment. Et c'est complètement con, là. Mais bon, c'est le... C'est comme ça, quoi. Donc ouais, non, le plat avec le maïs, non. Je pense que c'est un truc qu'on fera sûrement jamais. À moins qu'on trouve une... Un moyen de récupérer, genre, des patates tout le temps. Je vais d'abord regarder ça. Ça, c'est quoi? Journal de la responsable. Ok, journal de la responsable. Ça, il faut qu'on prenne. C'est sûrement un truc à lire. Je suis assez content d'avoir sauvegardé pendant la nuit, j'avais fait un peu exprès. Mais j'étais pas sûr en fait d'avoir... Ah, attends, il faut peut-être l'électricité allumée parce que là il y a plein de trucs. Attends. Je me suis dit peut-être qu'il faut de l'électricité en fait, mais non, apparemment non. Bon, on va lire déjà le premier. C'est parti. The mine is a real shithole. If my job is to shepherd the men, then their job is to keep the roof from landing on all of us. But this week we found a decent chamber to start building Rudiger's gadget. Teams 1 and 2 are with the program, but on shaky ground. Team 3 is getting volatile again. And while it's unclear what they have planned, I've called for additional security to fly in immediately. The medical officer has been conducting alignment interviews and has made some troubling observations. I'm still considering the implications, both for the men as well as project viability. My hope is that the crew can keep their shit together long enough to finish phase 1, and we can get out of this godforsaken place. Starting to get to me. Phase 1. La phase 1, c'est quoi la phase 1? Phase 1 de quoi? On va lire ça. Session 5, Project Medical Officer interviewing patient 7. Let's visit the second instance again. First occurrence. What do you remember? The sun was out. But it was cold at the river's edge. There was a group of us that day. Lots of laughing, yelling. Some were in our heads. No one was getting in the water. I guess I liked being first. I didn't even jump, just slipped in quietly away from everybody. The water was clear, but bitter cold. I thought the bottom was closer. My head went under right away. God, I was a lousy swimmer. No one noticed me struggling in the deep pool. Carry on from where you were last session. Find the ending sequence. What do you see? My hand reaching for a flat gray stone at the water's edge. I grabbed it. I pulled my head out of the freezing water. A breath. The sun shining through the trees. Above us, what's... Was the sun out? I thought... the rain. No. That wasn't it. Keep hold of that image. It's okay if it fades a little. Breathe. Try going again.
Second instance. Qu'est-ce qu'ils font? Le bouquin Ralpha, ça c'est fait. Trouver l'origine des mystérieuses transmissions radio de Gretbir Aslan. Utiliser le réseau de transmetteurs réparés pour chercher d'autres bunkers dans l'aérodrome abandonné. Oh non. Je te déteste. On va devoir retourner à l'aéroport. Oh, yay. Ah, c'est chiant de pas pouvoir bouger les objets. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Alors, je voudrais bien bouger la chaise. Bon, je crois qu'on a tout. Livre. Bon, je pense qu'on a tout. Ah tiens, ça c'est... Ok. Ah, des fois ça se mélange au fond là, on voit rien du tout. Enfin, on remarque pas l'objet qui est juste devant nous, c'est un peu abusé. Ça, c'est bien, hein, c'est cool, c'est bien fait. Bon, je crois qu'on est bon là. Je crois qu'on a tout. Je crois qu'on est bingo. Ok. Bon, bah on en a appris un peu plus sur ce qui se passait. Non, pas du tout. En fait, on a plus de questions qu'autre chose. Mais voilà, pour vous montrer du coup les vêtements, ça va. J'ai réparé pas mal de choses. J'ai réparé des genre les bottes, les moufles, ça. Ça, bien sûr. Maintenant, j'ai des plumes. J'ai 10 plumages sur moi. C'est 0,10, ça va. C'est pas trop lourd. Donc ouais. Quand on rentrera, on essaiera de réparer manteau et tout. Donc, ouais. Bon, ben voilà, ben c'est une très très bonne chose de faite. Donc maintenant, trouver l'origine des mystérieuses transmissions. Donc utiliser le réseau de transmetteurs réparés pour chercher d'autres bunkers dans l'aéroport abandonné. L'aérodrome, pardon. Donc il faudrait retourner à l'aérodrome. Honnêtement, je suis pas vraiment... Ah putain, je peux même pas regarder. Enfin, je peux regarder par là, je crois. Ah, chaque fois je... C'est ça, transmetteur, choisir, voilà. Là, je peux faire changer de région, voilà. Donc, il faudrait qu'on retourne là-bas. Alors, moi, j'ai aussi d'autres choses. Alors, j'ai vu que le site de désolation, donc, qui est là, il y a une antenne, on la voit, elle est en rouge maintenant. Et l'autre antenne, donc, on m'a dit qu'elle était à Blackrock. Blackrock, c'est là, Blackrock, hein, je crois bien. Ouais, Blackrock, c'est là. Donc il y aurait le site de désolation et Blackrock à faire en théorie. J'ai envie de dire, alors je suis pas super enchanté honnêtement de retourner à l'aérodrome. Vous savez très bien que je déteste cette zone. Elle est vraiment, j'ai envie de dire, nulle. Après, point de vue que de notre équipement et tout ça, est-ce que ça va vraiment être aussi chiant que la toute première fois? Non, hein, évidemment que non, parce que quand on était retourné là-bas, ça s'est bien passé. Il n'y avait pas grand-chose en fait, il n'y avait pas grand-chose à faire honnêtement. Qu'est-ce qu'on fait? On dort ici? Ah, on peut dormir ici un peu. Ah, attends, tissu? Ah, mais tissu à découper, d'accord, ok. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'on peut faire. Par contre, je crois qu'on a la grotte de... Il va à Muskegmorn, qui est pas très loin d'ici. Donc je voudrais bien la noter. J'ai. Je voudrais bien la noter sur la carte. Et je crois bien que Muskegmorn, il n'y a pas de corde. Donc j'étais en train de me dire, je crois que la dernière fois j'en avais parlé aussi. Donc si jamais on part, peut-être passer par Muskegmorn. Ça va être plus long, mais on n'aura pas de corde à prendre. Donc théoriquement, on aura moins de problèmes pour le poids élevé. Mais faut que je m'en rappelle. Est-ce que c'est par là?
peut-être par là. Chute d'eau au bout du ravin. Je sais pas si c'est derrière ou devant, mais je sais qu'il y a la... il y a une grotte pas loin. On va prendre du bois. Par contre, faut faire attention parce que les loups... Alors j'ai remarqué, parce que je me suis fait agresser en fait en partant ou en revenant, je sais plus vraiment. Mais c'était c'était vers la sortie en fait, donc j'ai pas combattu vraiment. Mais j'ai les loups gris de notre camp là tout là-bas qui me fuient, qui ont peur. Et après j'ai les loups gris en fait d'un autre endroit d'ici, genre je sais pas, genre sur le côté et tout ça, que eux ils m'attaquent. Donc ils sont pas liés en fait, ça dépend vraiment des packs, j'ai l'impression. Au final. Ça dépend des packs et les packs doivent se refaire petit à petit. Bon par contre, il y a R là. Ah là-bas! Je crois que je l'ai. Ah oui, tiens, en voyant des barbes de Jupiter. Là. J'en ai récupéré aussi sur moi. J'en ai pris. J'ai 5 pansements en barbe de Jupiter. Parce que c'était quand même vachement rare. Tiens, il y a un cadavre de loup. C'est quand même vachement rare. Du coup, j'en ai pris quelques-uns sur moi. C'est un cadavre de loup, ça? C'est autre chose. Ah non, c'est un loup, ça. Ah, ça doit être un loup noir, en fait, normal. Ouais, c'est à la sortie. Ouais. Là, il y a des plus. Bon, on va aller se réchauffer. Donc, voilà, ça, c'est la grotte Muskegmore. Bon, on va prendre ça après. Donc ça, c'est bien la grotte Muskegmore. Qu'est-ce qu'on est ? Est-ce qu'on est vraiment fatigué ? Il y a juste les calories qui m'embêtent un peu. C'est bête, j'aurais dû vraiment prendre de la nourriture sur moi avant de partir. Mais j'étais tellement pressé en fait de partir à cause du fait que il y avait l'aurore boréale. J'ai pas pensé à prendre de la nourriture. Après, on a des calories, hein, mais on a beaucoup de viande en fait. Donc on devrait utiliser de la viande à la place. Je vais sortir de la grotte du côté de Muskegmore et on va dessiner la sortie. Parce que je crois que la sortie de Muskegmore, par contre, elle est un peu compliquée. Je crois qu'on est en hauteur en fait. Okay. Ah, il faut escalader en plus. Bon, on voit strictement rien, c'est bien. On a un lit par contre. On a un lit là. Ouais, je crois que ça c'est vers la sortie. Je crois qu'on est bon. Ouais, je crois que c'est bon. Ah, c'est une grosse grotte quand même. Hein. What the fuck? Ah, y a des lapins. Mais c'est que des lapins, ça. C'est pas des loups. Il y a des lapins à l'intérieur depuis quand? C'est la première fois que j'en vois. Je suis certain que c'est la première fois que j'en vois. What? Tu t'es perdu, le lapin. Lapin à l'intérieur, comme ça, c'est marrant. Où est-ce qu'on est exactement?
non, on est sur celle-là. Je pensais que c'était là, en fait. Alors, du coup, elle va où, cette grotte-là? Je me rappelle qu'il y a une grotte, là-bas. Putain, on pourrait rentrer au lac Mystère. Quoi. Ah ouais, non, mais en fait, c'est... Non, mais c'est super simple, du coup. Bon, bah, on va pas prendre les cordes. On va vraiment pas reprendre les cordes. Ça serait débile de reprendre les cordes. Enfin, quoique, ça va plus vite, techniquement, mais... Et encore. Et encore. Je suis même pas sûr que ça aille... ça aille plus vite. Je suis même pas sûr de ça. Parce que Cric Lugubre Ravin, Muskegmorn... Du coup, ça serait plus... Ah oui, non. Non, 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 non. Nous, moi, je passe par le lac Mystère pour aller à Milton. Donc, du coup, on se retrouve en haut avec les cordes et tout ça. On arrive directement en plein milieu de Milton. Muskegmorn, le passage du bas, là, qui est là, en gros. On arrive sur le plateau du bas de Milton. Voilà, voilà, voilà. C'est ça, en fait, le truc. C'est ça, en fait, que j'avais en tête. C'est ça. Bon, bah, c'est intéressant. Bon, du coup, on va retourner au Cric Lugubre, hein, parce qu'on a... On va encore visiter. Hein. Encore quelques trucs à chercher. Ah, peut-être que du coup, comme j'avais dit, peut-être qu'on en fera un épisode supplémentaire, genre farm. Et on fera le tour de la Cric Lugubre. Mais je vais être franc. Tiens, il y avait une branche, elle a disparu. Je vais être franc. Avec tout ce qu'on a fait, je crois, la dernière fois. Attendez, il y a quoi de ce côté? Tout ce qu'on a fait avec la dernière fois. On a fait quasiment tout le tour des lieux intéressants de la Cric Lugubre. Les seules choses qui pourraient vraiment être intéressantes, c'est les endroits en fait, qui sont sur la glace. À un moment, je vous avais montré, il y a une sorte de phare en fait, qui est détruit. On pourrait aller voir ça, c'est sympa. Et après, il y a une autre île, je crois, avec une grotte, si je me rappelle bien. Donc on pourrait faire ça aussi. Donc je pense qu'on va faire ça, sûrement. Mais il y a, voilà, ça va pas être super excitant. Je pense qu'on a fait les plus gros endroits de la Cric Lugubre. Il n'y a pas vraiment grand chose de plus à récupérer. J'essaye de passer par d'autres chemins. Voir s'il y a d'autres choses. J'essaye de pas trop courir parce que sinon on va se fatiguer et surtout on va avoir encore plus faim. Je pense que je vais manger des massettes. Ah, ou alors peut-être manger deux glands cuits là. Comme ça je pourrais les broyer ce qui reste. Ouais, peut-être faire ça. Ouais, on va faire ça. Peut-être un, ça suffit. Hein. Ok, nickel. Bon, on commence à être fatigué, on descend en dessous des 45 kilos. On a 700 calories, ça va. Ah, c'est chiant, hein, il fait froid ici. Hein. Oh non, il y a une tempête. Je crois qu'il y a un lieu... Ah, j'entends des croix-croix. Je crois qu'il y a un lieu où on peut s'abriter ici, mais je suis pas complètement sûr. Donc si jamais je trouve pas, on revient à la grotte et on dort. Je suis pas complètement certain. Je crois que c'est sur le côté droit. Je me rappelle que ici il y avait un endroit où je me mettais à l'abri. Et après, si on prend l'autre endroit avec la corde, il y a un endroit sur le côté gauche en fait. Je me rappelle de ça.
Un c'est droite et l'autre c'est gauche. C'est comme ça que j'avais fait pour, me rappeler. Cool. J'entends des bruits. Hein. Ouais, bon, il n'y a pas grand chose. Pas l'air d'avoir grand chose en fait. Trouver quelque chose ici avec cette tempête là. I'm gonna need to eat soon. Ouais, bon ben je trouve pas, il y a trop de tempêtes là. Là je trouve rien du tout. On va regarder pour une grotte pour que je retrouve la montagne en fait. Ah, attends, il y a des bois coupés. Des bois coupés comme ça, ça indique souvent des choses en fait. Qu'il y a quelque chose autour. Genre une grotte, un passage, une maison. Rien aussi. Ça peut. C'est le fun. On s'est fatigué en plus. Ah! Trouvé! Ok, vite. Morsure, très bien. Damn, I'm freezing. On est bon, vêtements. On est bon. Très bien. On mange un peu. Ouais, du coup, on est un peu obligé, hein. Est-ce qu'on a récupéré assez de bois pour faire du feu? Ça, c'est une question que je me pose. Bon, ça va. Ok, là c'est... Là, ça marche.
ce goddamn freezing. Ici. Donc normalement il devrait être à l'extérieur. Nickel. Parfait. Bon ben voilà. On va pouvoir dormir un peu ici, je pense. Comme ça, ça on récupérera un peu de vie et tout ça. Perfect. C'est chaud. Ah, ça va être un problème, ça. Ah, j'ai pas de d'objet pour faire de l'eau, par contre. Ah oui, ça oui, ça c'est embêtant. Que je comptais prendre le la poêle, récupérer la poêle en fait. Mais oui, non, c'est vrai que du coup, oui, c'est un problème. Bon, après, on a de l'eau, hein, c'est pas trop grave. Hein, mais, ouais. Ok, ça va, le feu est assez chaud. Très bien. On va peut-être faire de la coupure. 40 minutes. On peut faire de la couture avec ça. Voilà, nickel. Voilà, ça c'est bien, c'est bien. Pas paniquer, pas désespérer, tout va bien. On va déposer ça, on va le mettre genre là. Là on est en intérieur, on avait dit. Oui, on est ralenti là. Là on est plus ralenti. Là, on est ralenti. Si on est ralenti, c'est qu'on est en intérieur. Si on n'est pas ralenti, c'est qu'on est en extérieur. Parce que quand le feu va être fini, si jamais on est... Vous vous rappelez la dernière fois quand il y avait plein de bugs et que j'étais super frustré, j'avais dormi à l'extérieur, en fait. Et il a fait un peu froid. C'est un peu dangereux. Combien de temps? 39 minutes. Est-ce qu'on peut récupérer autre chose? La fourrure, je m'en fous un peu. On peut récupérer les boyaux à la limite. Je crois qu'on va dormir quelques heures ici. Peu importe si on ressort le soir. Ouais, peu importe. Peu importe. Par contre, je veux bien... putain, je fais une... Je veux bien... regarder... Parce que, est-ce qu'il n'y avait pas des objets? Non, pas des objets, mais des champignons et tout ça, là, à prendre. Je veux bien récupérer ça. Ah, il doit faire froid, hein. Là, c'est du moins 50, je dirais. Ah, 49. Ouais, c'est pas vraiment top hein, de rester ici. Hein. C'est vraiment pas le fun. C'est vraiment trop froid. Énormément de tempêtes à chaque fois. Ici, je suis vraiment pas très fun. C'est 41%. Ça réchauffe. Allô. 40, ok. Voilà. Nickel. On peut prendre ça à la limite.
400 grammes, ça va. Ouais, non, je peux pas faire de l'eau. Ça c'est embêtant. Que je suis revenu en fait. En gros, en fait, ce que j'avais fait, vous rappelez, on avait deux poêles. On avait deux poêles à cet endroit ici. Et on en avait une en fait qui venait de nous, et on en a trouvé une autre. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai ramené ma poêle et je l'ai laissée au lac Mystère. Et du coup, la deuxième, bah, elle est restée là. Mais je l'ai pas prise sur moi en fait. Mais il faut que je la prenne sur moi. Parce que vu que maintenant je transporte plus de canettes là, de conserve, ouais, du coup on a un problème pour faire de l'eau. Ce que je me suis dit, vu que cet endroit honnêtement on n'y reviendra sûrement jamais. Donc voilà. 2 heures. Ouais, on peut dormir. Est-ce que ça sert à quelque chose de mettre du feu? J'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de bois à l'extérieur. Donc à la limite, on s'en fout. Je vais pas ressortir pour récupérer du bois, c'est ça que je veux dire. Ah putain. Ouais, ça c'est un problème aussi. C'est que... vu que c'est de la viande, elle va des fois poser ça en fait à la place de la viande pure. Et ouais, non, ça c'est vraiment un problème. 3h35. Ouais, on va essayer de dormir le plus possible. J'aurais peut-être pas dû mettre le charbon dans le feu, parce qu'au final c'est du charbon un peu gaspillé pour rien. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà, là on a récupéré beaucoup de vie, donc on est bon. Il y a encore du vent ou... qu'est-ce qui se passe ? Ah, aurore boréale. Okay. Donc on est là. Je suis sûr que c'était là, l'abri, là. Je suis sûr que c'était pas aussi loin. Fais chier. Là, vraiment, la tempête est vraiment tombée au mauvais moment, en fait. Vraiment tombée au mauvais moment. J'ai envie de revenir, en fait, en haut. Personnellement. Est-ce qu'on peut voir quelque chose de là? Alors, est-ce que vous voyez une sorte de maison ou un abri ou un truc? Oh merde. Quand ils gueulent, il faut leur foncer dessus et leur mettre une flèche. Tu sais, ils bougent pas pendant un moment. Qui c'est qui veut tenter sa chance? Qui c'est qui veut tenter sa chance? Putain, à cause de la putain de sauvegarde de merde. Je l'ai loupé. Ah la vache, reviens. Attends, je saigne. Ah, à cause de ce putain de lag. Je l'ai loupé. Merde. Putain, ça va faire une autre flèche qu'on perd. Oh. Vous savez quoi, on va aller dormir. On va aller dormir. Peut-être avec de la chance, on va le rencontrer mort. Ah, parce que là, j'étais sûr que j'étais plus ou moins dans la tête.
Enfin, il m'a foncé dessus, mais bon, pas grave. Mais, enfin, non, si, c'est grave. Honnêtement, les flèches, ça m'embête de les perdre. Parce qu'à chaque fois, il faut... C'est pas la flèche en elle-même qui m'embête de perdre, c'est le... Évidemment, c'est la tête de flèche. Et ça, il faudra retourner, en refaire, en fait, à un moment ou à un autre. Après, j'en ai beaucoup d'avance. Hein, Mais ouais, un jour, il faudra en refaire. Et ça m'embête. On a perdu encore un peu de vie, relou. Allez, c'est reparti. Allez, go. Ça m'étonnerait que ça soit lui. Non, ça m'étonnerait que ça soit lui. Me dis pas qu'il y a encore du... Oui, il y a du vent contre nous, c'est cool. Oh, vache. Alors, ouvrez bien les yeux. Enfin, un loup. Ah, là-bas, il y a des bois. Bah tiens, on est proche de l'élan, maintenant que j'y pense. Oh! Oh, 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 oh! Je crois qu'on l'a... Putain, avance, avance, je t'en supplie, quoi. Oh, oh la vache, ça me rend fou. Avance, bouge ton cul. Ah non, putain, c'est pas ça. Chut. Non, c'est pas lui. Oh, nécessite clé de souvenir, super. Quoi ça? Photo instantanée. Je me suis dit que petite photo, ça serait un plaisir. Quand j'y repense, j'ai du mal à croire que qu'on est tenu si longtemps dans le business des poissons. Je te jure, des fois, je sens encore l'odeur. Je pense savoir aussi. Il faut une clé aussi. Oui, là on est pas loin de l'élan. Allez, avance. Oh la vache. Ah, putain, ça va être chaud de passer. Oh là là, comment c'est frustrant. Attends, là, il me faut de l'ambiance. On va pas passer comme ça. On va essayer de se fatiguer aussi, je vais sprinter le plus possible évidemment pour qu'on soit fatigué et qu'on puisse récupérer beaucoup de vie à chaque fois. Comme d'habitude, hein, plus vous restez longtemps endormi, plus vous récupérez de la vie. Là il y a le cadavre de l'élan. Bah du coup en fait là, pas là, c'est quoi ça du coup? Ah let's go! Non, non, on est dormi. Putain. On les trouvera jamais les loups qui sont partis avec nos flèches, jamais. Ah ça m'embête hein, honnêtement de perdre. C'est pour ça que c'est un peu le problème de combattre les loups gris. J'avoue que j'aime pas trop ce côté là. Si jamais on les one shot pas, du coup bah ils partent avec nos flèches. Et le pire c'est qu'ils vont sûrement mourir. Hein. Mais bon après il faut les trouver. Quoi. Ah mon dieu ça y est. Ça. Il
Très bien. Une chose qu'ils pourraient faire, ce serait de pouvoir crafter, enfin plus tard quand ils font de la customisation, parce que j'avais pensé à ça, de pouvoir customiser ou crafter un lit en fait. Pas un lit qu'on peut transporter évidemment, mais un vrai lit. Et genre si on reste dedans, si on dort dedans, on a genre 10% de plus de récupérer sa vie et tout ça. Genre des trucs comme ça, ce serait vraiment cool. Je pense que ça serait cool. Bon, on est à combien? Ah, on est bon. On va juste... Qu'est-ce que je peux faire pour passer le temps? Histoire de me réchauffer, en fait. Parce que je voudrais rentrer au camp, honnêtement. Je voudrais rentrer au camp, comme ça, ce que je fais, c'est que si jamais je vois que... on a vraiment rien d'intéressant à faire, bah, je farmerai de mon côté, puis on verra ce qu'on fait d'autre. J'ai bien jeté que 3 trucs. Voilà, très bien. Honnêtement, dans, ici, que ça soit nuit ou jour, ça sert strict, c'est aucune différence. Il fait toujours très froid. Limite, c'est même mieux de sortir la nuit, je dirais, presque. C'est limite mieux la nuit. Parce qu'au moins, la nuit, il y a moins de chances d'avoir un blizzard. Il va faire froid, évidemment, mais il y a moins de chances d'avoir un blizzard, j'ai l'impression. Parce que quand il y a des aurore balls, il n'y a pas de blizzard, déjà. Donc ça aide. Dès que un loup gris nous repère et qu'il commence à gueuler pour alerter les autres, faut lui foncer dessus, lui mettre une flèche dans la tête. Le moyen le plus efficace. Je sais que j'avais dit qu'il y avait un bâton là-bas, je l'ai pas pris, genre un bois pour faire des flèches ou un arc. Mais bon, on n'y est pas allé. C'est pas grave. Ah oui, j'ai retrouvé des aliments. Je vais essayer de vous montrer s'il fait pas trop froid. Ok, ils ont encore peur, ça va. Quoique. Ouais, ils ont peur. I can't feel my feet. J'en ai trouvé là. Genre en bordure comme ça. C'était des boîtes de sardines en fait. En bordure comme ça. Là aussi, sur la palette, j'en ai trouvé sur la palette. J'ai trouvé une fusée de nautique aussi qui était en bordure. Je crois que c'était vers là-bas. Genre en bordure là. Donc ouais, donc du coup on en a 3 de nouvelles et un peu plus de choses. Tac, très bien. Donc là on a un peu d'élan. On a pas tant que ça. Je pensais que j'en avais plus, mais en fait non, on a pas tant que ça. Ah oui, aussi il y a un coffre qui est juste vers la droite. Mais bon, c'est un coffre fort, hein, y a rien dedans à chaque fois. Donc voilà, il y avait ça, il y avait de l'argent. Enfin, en intrus, il y a quasiment rien dedans à chaque fois. Après, si c'est une autre difficulté, oui. Des tables, je fais pas mal d'eau aussi. Ouais, donc ça, il faut le prendre avec moi. Donc ça, c'est la peau d'élan que j'ai faite. Ça, c'est la fourrure de l'ours qui va bientôt être sèche. Je pense que je vais en profiter parce que la peau, je crois que c'est 1 kg, c'est tout celle-là. Ouais, c'est celle-là qui fait 5. Ouais. Peut-être qu'avant de partir, ce qu'on fera, c'est réparer genre celui-là. On le met à 100% au moins, donc ça va être cool.
Et après, bah, y a pas grand chose. Je crois que les vêtements, ouais, ils ont pris un peu cher. Ouais, y a ça qui a pris un peu cher. On va le réparer. Ouais, ouais, on a bien fait de prendre des duvets là. On a bien fait. Ah, très bien. Les peaux de cerf, j'en ai pas ici. J'en ai pas ici, j'ai que l'ours. Ouais, ici j'ai que l'ours. Donc du coup, c'est pas vraiment intéressant pour moi. Je sais pas trop ce qu'on prendra quand on partira, franchement. Techniquement, il faudrait prendre au moins une batterie. Techniquement, il faudrait une batterie parce que je vous rappelle que nous, on a une tour à la, au site de désolation et apparemment donc à Blackrock aussi. Donc le site de désolation, je crois que à l'autoroute côtière, j'ai tout ce qu'il faut. En câble, en fusible. Donc il faudrait juste des bouts de métal et bien sûr une batterie. Et après Blackrock, ben, on ne sait pas, hein, on sait pas vraiment. Donc ouais. Donc faudrait y aller un jour. Faudrait faire ça. Après j'ai envie de dire, est-ce qu'on va faire ça genre avant repartir à l'autoroute, pas à l'autoroute, à l'aérodrome là? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Hop, ça très bien. On va aller s'arrêter là. Je vais aller dans l'autre bâtiment pour sauvegarder. Parce que je vais pas... Je vais pas dormir genre une heure juste pour sauvegarder. Ça aussi, il y a beaucoup de gens qui demandent d'avoir des sauvegardes manuelles. Genre, faites pause ou sauvegardez, vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que ça pourrait aider dans certains cas. Bon, moi j'ai l'habitude maintenant. Ça me dérange pas plus que ça. Mais c'est vrai que ça pourrait aider. Ouais, bon, il y a rien. Ouais, parce que si je dors une heure, je vais moi, je vais être reposé. Du coup, je veux pas. Je veux me fatiguer, comme ça je reste longtemps éveillé. Et puis après, on pourra se soigner. Le coffre, je crois qu'il est là. Si je me rappelle bien. Allez, avance. Putain, il est là. Donc je vais juste rentrer là, comme ça, ça sauvegarde. On est à peu près à 50% de vie. Pas, vous avez vu que si on dort une dizaine d'heures, on récupère... allez, sur les 50%, on va récupérer 25%, donc la moitié à peu près. Donc ça va. On n'a pas... Techniquement, on n'a pas encore besoin de prendre, évidemment, le thé, là, la tisane. Ouais, la tisane. On n'a pas vraiment besoin de ça. Ça va. Donc, je peux encore me débrouiller avec cette vie. En tout cas, donc, comme j'ai dit, on va s'arrêter là. Ce sera donc notre épisode. Ça fait une petite heure. C'est bien, on a avancé dans l'histoire et tout. Ça, c'est cool. Je suis très content de ça. Ça s'est bien goupillé. Donc, on est à 83%. Alors, maintenant, je suis un peu tiraillé entre qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on va faire, donc, comme j'ai dit, les autres tours. Donc, désolation, Blackrock et tout ça. Alors, revenir au site de désolation, honnêtement, c'est pas le plus fun parce que, honnêtement, c'est pas très difficile. Il n'y a pas vraiment d'aventure. On l'a déjà fait plein de fois, enfin, en épisode, et on l'a fait aussi en farm et discussion, évidemment. Donc, il faut passer par l'autoroute et tout ça. C'est vraiment tranquille, honnêtement. Il n'y a pas de problème. Blackrock, ça sera une bonne aventure, par contre, parce que Blackrock est assez grand. Beaucoup d'intérieur dans Blackrock. Énormément d'intérieur. Donc, ça va être spécial. Donc, ça, c'est bien. On a aussi la vue de la crique lugubre. C'est vrai qu'on a ça à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pourrait le faire maintenant? Ah, je sais pas. C'est où? Est-ce que c'est le pont, ça? Non, ça, le pont, il est là. Ah, non! Ah! Attends, la tour est là. Tu crois que c'est aussi loin? Non, ça m'étonnerait quand même. J'ai peur que... Ça... Ah, c'est vrai que j'ai pas dessiné ça. J'ai peur que ça, en fait, ça soit à la corde. Quand on est en hauteur, vous savez que là, il y a un bâtiment. Enfin, on va dire dans cette zone, il y a un bâtiment. Et avec des voitures et tout ça, je pense que c'est là, en fait.
Vue de la crique lugubre. Ouais, non, ouais, ça doit être ça. Parce que comme ça, du coup, c'est en hauteur. Donc ça doit illuminer tout ça, en fait. Ouais. Ah putain, il faut que je prenne la corde encore une fois. Oh la vache, on en prend des cordes, hein. Bon, c'est pas grave. Et après, bien sûr, on a ça, donc retourner à l'aérodrome. Bah, pff, ouais, retourner à l'aérodrome, à la limite. Je pense qu'on va privilégier, comme j'ai dit, on va faire... on va se concentrer sur l'histoire, ce qu'on a à faire et tout. Donc, aérodrome. Donc, du coup, comment on repart à l'aérodrome? Je m'en rappelle plus à chaque fois. La voie ferrée est détruite, hein, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Donc, cric lugubre. On fait la photo avant de partir. On retourne au lac Mystère. On passe par... On va peut-être pas passer par le ravin. On va passer par Muskegmorn. Ah, quoique si je dois faire la photo... Oh là là, on va devoir passer par le ravin de toute façon. Parce qu'on aura déjà fait une corde. Bon, après, on peut redescendre. Hein. Techniquement. C'est pas trop... Ouais, non, on peut redescendre techniquement. Je sais pas. Enfin bref, peu importe. On va retourner au lac Mystère. On va se restuffer. Ce genre arc 100% et tout, des flèches et tout machin. Techniquement, même, je suis en train de me demander est-ce qu'on va peut-être pas faire des pointes de flèches. Parce qu'on passe à Muskegmorn. Je suis en train de me demander ça. Ça pourrait être intéressant. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'à Muskegmorn, on a laissé un marteau ou pas? Parce que depuis qu'ils ont rajouté ça, là, je sais que j'ai pris un marteau de quelque part. Donc, du coup, est-ce que j'ai pris un marteau qui était à une forge ou pas? Ça m'embête, ça. Ça aussi. Ça m'embête. Bon, après, on n'a pas vraiment besoin de faire des pointes de flèche maintenant. Mais ouais, ça pourrait être pas mal. Bref, donc ouais, et on partira, donc voie ferrée détruite, et après on repart à l'autoroute. Je pense qu'on va faire ça. Donc prochain épisode, je vais réfléchir si on a encore des choses à faire dans la crique lugubre. Je dirais que oui, on va faire encore un épisode à la crique lugubre pour faire la photo. Donc on fera la photo, puis on essaiera de se balader un peu. Genre là. Ah oui, on a deux endroits à faire. On a ici, je crois, et ici. Les deux îles, je vous ai parlé des deux îles. Donc ouais, le prochain épisode, on fait ça. On fait photo, ou alors les deux îles d'abord, puis après photo. Puis après, on sera en partance pour le lac Mystère. Puis après, au lac Mystère, on fera sûrement une pause, peut-être de la farm un peu, farm et discussion encore une fois, pour se préparer et tout ça. Je sais pas, honnêtement, parce que je pense qu'on est plus ou moins prêt. Et après, direction donc Muskegmorn, voie ferrée détruite, et on ira donc dans à l'aéroport, aérodrome, et on fera ça. Ouais, on va faire ça. Ouais, ça va être bien, ça va être cool. Ça va être cool. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, portez-vous bien, et ouais, pour la prochaine, avec un peu plus d'aventure et tout. La crique lugubre a été cool, honnêtement, la crique lugubre a été vraiment sympa. Perdu des flèches, mais bon, ça arrive, c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.